profusion de rites et de mythes que son imaginaire se crée. Faire les photos avec du flash. Ah ouais, ça marche ça. Tu peux m'envoyer après les photos? Ouais, je t'enverrai ça par Twitter. Super. Il y a quelqu'un? Non, c'est le gynécologue. Ou... C'est l'accouchement. Et voilà. Ça, c'est Matmata. Nous sommes maintenant en terre des Numides. Plus de 3000 ans avant Jésus-Christ. C'est ici, au bord des rivières, sur les hauteurs ou au cœur des vastes plaines, que les peuplades venues du Sahara et du littoral méditerranéen avaient jeté l'ancre. C'étaient les Afres ou Afars, d'où est dérivé le vocable Africa, qui désigne l'ensemble du continent. On les connaît aussi sous le nom de Berbères, nom donné par les Arabes, parce que leur langue s'apparente à des cris ou à des balbutiements. Menant une vie foncièrement nomade, les Berbères sillonnaient le pays dans tous les sens au gré